Et voilà les gars, on y est. Première vidéo. Première fois sur YouTube. En espérant que ça se passe bien sur la route. Oh oh. Laisse-moi deviner, on est sur le point de franchir une énorme chute d'eau. Ouais. Rocher pointu à la réception. Il y a des chances. C'est parti. Salut les gens, alors bah comme je disais, voilà, on y est, hein, première fois sur YouTube, ma toute première vidéo, ça fait super longtemps que j'attendais ça, quelque chose qui m'a toujours attiré, sur ma petite fidèle monture, je vais dire ça comme ça, KTM 1290, première vidéo, oui, si on veut, disons qu'avant il y a eu quand même pas mal d'essais infructueux. Je vous avoue que là c'est je crois mon 6e ou 7e essai niveau prise de son. J'ai acheté le micro Zalman comme pas mal de youtubeurs le conseillaient. Et pas moyen de trouver une place correcte où la prise de son était facile à prendre. Où elle était claire et nette. J'ai toujours été emmerdé par le vent ou des problèmes de grésillement, je parlais trop fort ou je sais pas trop. Pourtant j'ai franchement essayé pas mal de trucs jusqu'au point où j'ai été mettre une bonnette anti-vent, mais clairement j'ai déjà la voix qui portait grave, mais là c'était juste que des basses, on va dire ça comme ça. Et non, c'était pas audible du tout. J'ai essayé derrière les mousses, hein, comme d'autres youtubeurs peuvent le dire, d'autres motovlogueurs. Mais non, ça allait pas non plus. On entendait énormément le vent. Ici, ben, je l'ai mis dans la mousse, mais en sens inverse. En espérant que ça aille mieux. C'est clair que à vitesse réduite, ça allait super bien. Mais alors, dès que j'accélérais, que je dépassais les 70-80 km/h, c'était une horreur. Le souci qui pouvait y avoir aussi, c'est que j'avais mis le système de fixation à l'avant de mon casque pour la GoPro, un peu style méduse comme ça, avec des sangles pour le fixer. Le truc, c'est que du coup ma visière laissait passer énormément le vent. Je pense que ça aidait pas, donc ici j'ai mis une fixation GoPro. J'étais pas chaud de mettre ça sur mon casque, mais bon, un mal pour un bien, comme on dit. Je sais pas, on verra le rendu à la maison, quoi qu'il en soit. Bah, si le rendu est pas terrible, vous verrez toujours pas la vidéo sur YouTube. Ça me dépite un peu. Mais bon, je sais pas. Si je me dis que je vais rouler dans les petits villages, qui me permettra de me faire mieux entendre, mais je voudrais quand même bien tester en roulant d'une manière un peu plus soutenue, voir si on m'entend mieux que ce que j'ai pu avoir ces dernières fois, qui était relativement pénible. Monsieur devrait tourner ici à droite, il y a des belles routes. Ah non, il va tout droit. Voilà, donc du coup, bah, j'espère qu'on m'entend mieux. Ma moto fait quand même pas mal de bruit, j'avoue, mais j'ai l'impression qu'on entendait qu'elle sur mes derniers essais. Pourtant mon micro est quand même bien plaqué près de ma bouche. Enfin il l'était, du moins s'il est un peu plus loin. Et voilà. Pour vous dire, les premiers essais que j'ai fait, c'était la canicule. Ben là, on a dépassé la canicule. On est plus sur un temps un peu plus pourri, quoique plus frais, ça fait du bien. On va pas s'en plaindre non plus, surtout pour le jardin. L'endroit d'où je vous fume, c'est la région des barrages de l'Odeur. Bon, je vais pas aller m'attarder sur les barrages pour cette vidéo-ci. C'est vraiment une vidéo test que je fais. Et non, je reste dans les petits villages, histoire de me faire entendre. On verra ce que ça donne au montage. Et en parlant de montage, j'espère que... Bon, clairement, je suis plus que novice en la matière. J'espère que ma petite intro vous a plu.
Je sais pas, j'ai trouvé sympa de mettre ça. On verra. Il y a quand même pas mal de vent, j'entends, il tourne plus à l'orage qu'au beau fixe. C'est dingue cette histoire de micro quand même. Il y a énormément de motovlogueurs qui l'ont mis et le son est clairement génial. Et je ne sais pas, est-ce que ça vient du fait que j'utilise un module pour la GoPro 7? Je pense pas quand même, je suis pas le seul à utiliser. Un défaut dans le micro, ça me semblerait ouf quand même. Quand je vois en plus le Zalman, bah, il coûte 10 balles, clairement il est au-dessus du lot. Et oui, ça devrait fonctionner quand même. VDM, hashtag VDM, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Bon, je suppose que là on entend clairement moins bien. C'est juste pour laisser, on verra. En plus j'ai l'impression ben, du coup en super moteur, ben, en super moteur je raconte mais n'importe quoi, j'ai l'impression que en roadster, enfin c'est pas une impression, c'est un fait sûr et certain, c'est qu'on se prend ben, tout le vent dans la poire hein, donc je pense pas que je suis en forêt de ce côté là, mais clairement je compte pas changer de moto. Le vent souffle fort. Le test ultime du montage de mon micro. J'espère vraiment que ça fonctionne. Je me prends plus de vent hein, du fait que, bah, comme je vous disais, le système de fixation sangle a laissé une micro ouverture sur ma visière, donc je sens plus de vent, mais malgré tout j'ai l'impression que j'entends le vent passer dans mon casque, et du coup j'espère que ça s'entendra moins au micro, je sais pas. Dans les villages, on devrait bien m'entendre. Ouais, j'essaye de pas faire trop le malin dans les villages. Hein. Ma moto fait quand même pas mal de bruit, j'ai pas envie de me faire remarquer les boss. M'arrêter à la pompe et je vous reprends tout de suite après. Petit village de Serrefontaine, juste à côté des barrages de l'Odeur. Ici, du coup je vais faire un petit test visière ouverte. Il y a une petite route sympa ici où je devrais être relativement tranquille et tout seul, qui me permettra de rouler à allure correcte.
comprend que ça fonctionne bien. On verra. On verra ça au montage. Sinon, dites-moi ce que vous pensez aussi. Ah putain, les bosses quoi. Ce que vous pensez de la prise d'image, si c'est trop haut, trop bas. Je pense que j'ai trouvé un réglage correct. Reste que cette histoire de son. C'est dingue, dans mon cas, je sens pas une patte devant, donc ça devrait être largement audible. On peut vraiment bien m'entendre. En plus, là, je roule à une allure correcte, vraiment très correcte. C'est pas toujours facile avec ma moto, donc voilà. Merde, j'ai envie de dire merde. Petite accélération. Là, je pense qu'on a bien dû entendre le bruit du vent. À voir. Bon, du coup, je vous ai quand même emmené faire un petit tour d'un des lacs des barrages de l'Aude. On peut voir là. Bon, ça fait un peu touriste. Et si on est en semaine, il y a personne. Il fait mort. Des poubelles, ça, des poubelles, il y en a. Quelques jours avant que j'aille changer mes pneus, il est plus que temps de les faire. C'est une route paisible, mais alors les bosses, les routes belges, bonjour. Ouais, il faut absolument que j'aille changer mes pneus, ils sont en fin de vie. Je vous prendrai peut-être avec moi pour faire cette vidéo-là, si bien sûr la prise de son de cette fois-ci me convient. J'espère que ouais. Encore une fois, je me répète, je le sais. Mais bon. Si ça fonctionne pas ou si ça ne fonctionne pas assez bien, j'espère que vous aurez quelques conseils à me donner. Ce serait chouette aussi. Ça serait chouette. Du coup, je pense que je vais rentrer à la maison. Je vois que le ciel menace de plus en plus. J'espère que ma première vidéo vous aura plu. J'espère que, encore une fois, je sais, je me répète et je me répète, mais que la prise de son sera bonne. Autant pour le bruit de la moto que pour ma voix. Et voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, lâchez-moi un petit pouce, un petit commentaire, je vous répondrai. Portez-vous bien, attention sur la route.